Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et bienvenue chez les Mianites pour ce nouvel épisode qui a mis un peu de temps à venir, je suis navré. Tout de suite, on va faire un petit topo sur les avancées que j'ai fait à l'intérieur et puis on va construire un petit truc sympa bonheur. Voilà, à tout à l'heure, allez, intro, pardon. Alors tout d'abord à la demande, pas générale, mais à la demande de certains, et puis aussi parce que ça me faisait laguer, j'ai beaucoup allégé la neige ici, j'ai fait plutôt juste au bord des chemins, de manière à ce que ça fasse assez sympa, bonheur, comme si on avait raclé la neige et puis mis sur le côté. Ou juste essayer de rabaisser, enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. À l'intérieur, ça a pas mal changé, je crois que vous avez vu sur les épisodes de Fanta et Bob, nous avons l'énergie ici, ça n'a pas changé. Toujours en train, d'accord. À chaque fois que je me connecte, je dois aller faire un aller-retour dans le nether pour que ça relance la pompe, c'est un peu ennuyeux. Est-ce que j'ai du pain sur moi? J'ai du pain. Ici, on a pas mal avancé, fait pas mal de petites choses à gauche et à droite. Notamment, on a des birch... Oh, ok, ça met que c'est du birchwood, mais en fait, il y a pas mal de... C'est des conduits, c'est des câbles, on peut voir ça si on fait ça. Pas comme ça. Ah, ça bug toujours un peu. Plein de conduits un peu partout pour manière à pouvoir avoir de la puissance un peu de partout où je veux. Et puis nous avons ici notre Dance Energy Cell. Avec le temps que j'ai mis pour record cet épisode, j'ai eu le temps de me crafter quelques ME Drive avec quelques disques de 16 000. C'est plutôt pas mal. Et puis là, on voit qu'il y a déjà pas mal de matériaux qui est mis à l'intérieur. Hyper pratique. J'ai relié aussi un ici, là j'ai fait un petit atelier, n'est-ce pas, avec voilà, des haches, pioches, etc. Quelques petits seaux que j'ai récupérés à gauche et à droite. Et puis ici, là, c'est le truc que je pouvais pas l'ouvrir parce qu'il y avait ça dessus, donc du coup je l'ai enlevé, comme ça je peux l'ouvrir et puis voir un peu ce qu'il y a dedans. Même si c'est transparent, oui. Ici, bah, évidemment, c'est pour les matériaux, etc. Ma connexion est un peu moyenne. Ça, c'est un truc que je préfère parce qu'avant c'était vraiment moche. Je me suis pas mal servi, du coup je l'ai mis ici avec des accélérateurs machin, comme ça au moins ça va hyper vite, c'est pour transformer les Certus en chargés. Voilà, tout bêtement, une petite peinture pour cacher un peu, on fait un peu cache-merde en fait avec ça. Là y a rien, déco, purement déco, voilà, j'ai fait une razzia sur le... C'est quoi, c'est du bois de... Attends, voilà. Du bois de... Ah purée. Des arbres avec des grandes racines de mangrove. Je crois que c'est la mangrove, je l'ai récupéré juste là-bas. Il y en avait, j'ai pris un peu le premier qui venait, quoi. Crafté aussi pas mal de bibliothèques, mis des coffres ici pour les matériaux que j'ai pas forcément envie d'aller chaque fois aller dans le truc sans fil ici. Et puis ça a fait aussi un peu de remplissage. D'ailleurs, il y a rien, c'est juste pour aller à l'endroit machine, etc. À la pompe. Ah, mais il y a le auto jump aussi là avec mon superbe armure. Et puis, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. J'ai passé un sacré moment à tout aménager. En bas, j'ai mis le portail du Nether. Je l'ai un peu bougé. Voilà. Et puis, en haut, ça, j'ai besoin d'un petit coup de main. Parce que j'avoue que j'ai de la peine à comprendre. J'ai mis des bibliothèques. J'ai mis le Auto Enchant. Je l'ai fait. J'ai upgrade ma table d'enchantement. Mais ça met toujours max level 8. Et je n'arrive pas à comprendre. Là, c'est plein. C'est tout bon. Ça se remplit bien. Il y a les bibliothèques autour, est-ce qu'il en faut plus, est-ce qu'il en faut moins, mais au moins s'il y en avait déjà un petit peu, normalement on devrait voir ce chiffre monter là. J'ai la peine à savoir pourquoi du comment. Ah, max level 17. Faut mettre un truc pour que ça actualise. Ah, j'avoue que j'ai de la peine à comprendre. Et si on baisse à 17? Ah, pas mal. Sharpness? Sharpness. Je savais pas qu'on pouvait avoir ça sur une hache. En tout cas pas en 1.7. Bah, pourquoi pas, hein, finalement. Là, j'ai vidé mon XP et puis j'ai récupéré celle qui était dehors. Du coup, mon petit robinet de douche, là, voilà, Osef. C'était vraiment fait pour récupérer l'XP pour aller enchanter. Pas grand-chose à bouger ici, sinon voilà. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à un mode sympa bonheur, je sais plus comment il s'appelle. on va mettre food et puis on devrait pouvoir avoir, voilà, Pam's Harvest Craft.
Et on va construire une petite serre. J'ai nivelé cet endroit-là avec ma superbe... Ah non, mais ça, c'en est une autre, parce que j'ai eu un enchant pourri. Puis du coup, je me suis vite refait une petite pioche en diams. L'enchant n'était pas forcément mieux. Hein. Forcément, c'est niveau 8. Hein. J'avais commencé à creuser ici, et puis en fait, j'ai calculé qu'il y a 57 crops. Ça veut dire 19 x 3. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite serre. Hein. Sympa bonnard. Une petite serre... On va la genre commencer. On va commencer là. Et puis à l'intérieur, on va mettre 19 x 3. Ça veut dire, on va en mettre genre 4. Le petit chemin. 1, 2, 3, 4. Ça va faire une énorme serre, en fait, plus grande que le chalet. J'aime pas trop beaucoup ça. Mais. Ou alors, on fait juste un petit assortiment. Un petit assortiment, ça fait 1, 2, hop, hop, et puis ça ferait jusque là. C'est peut-être pas mal en fait. Juste un petit assortiment. Juste un petit assortiment, ouais. On va faire ça, un petit assortiment. Je l'ai répété ça 25 millions de fois. Comme ça au moins ça prend pas trop de place. Et puis plus tard on pourra aussi automatiser si l'envie nous en dit. Par contre je vais laisser ça là comme point de repère. Du coup, je vais un peu creuser là, parce que j'ai pas envie d'avoir ça sur plusieurs élévations différentes. Du coup, on va faire ça hop, comme ça. Et puis là, bah, ça sera creusé. Mais peut-être que je réarrangerai le coup, peut-être un peu une fois off caméra. Pour le moment, on va pas le faire. Donc, je creuse ça, et puis on se retrouve dès que tout est plat, et puis qu'on est prêt à commencer. À tout à l'heure. Et bien voilà, tout est plat. Maintenant, on va pouvoir commencer à placer un peu nos... Donc, truc, je ne vais pas commencer tout de suite ici, mais plutôt là, comme ça, on a un petit espace pour pouvoir passer autour. Ça nous fait 2 ici, là, on loupe 2 ici, et puis on met ça là. Ensuite, ça veut dire, est-ce que ça fait 19? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. On va 13. On va niveler aussi un peu ici, puis on reformera, on fera un petit peu de terraforming off camera parce que c'est pas forcément ce qui est le plus passionnant, je vous avoue. Sauf si évidemment c'est du gros truc, on montre un peu un avant, après, etc. Mais bon, là c'est pas vraiment le cas, hein. C'est vraiment pour s'amuser. Alors, pour construire une petite serre, tout ça pour des cultures, quoi. On peut pas bouffer de la viande comme tout le monde, ça irait tellement mieux. Mais respect aux végétariens, hein, sinon. Mais respect aux végétariens. Oh là là. Bon allez, je continue un petit peu, puis je vous montre dès que j'ai placé les blocs. À tout à l'heure. J'ai fini de poser les blocs de dirt, et puis il me manquait un peu de bois, de spruce wood, pour faire la structure de notre chère serre. Et puis, ah, le glider. Non, 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 non. Alors, ok, stop. Le glider, c'est quand même sympa. Mais pas aussi bien que les élytras sur Alicube. Voilà. Allez, je récolte un peu de bois et puis on se retrouve juste après. Ouais, juste après, si tout va bien, ouais. En principe, ça devrait. À tout à l'heure. Et mesdames et messieurs, voici la structure de notre grange. Notre serre, pardon. Elle fait un peu grange. Du coup, en fait, je vais juste réaliser. C'est pas grave. La porte sera là. Tout ça, ce sera en fait toutes les parois et le plafond sera vitré, évidemment, comme une serre. Hein. J'ai du verre sur moi. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que ça, je peux le transformer en... Non, je peux pas, évidemment. Donc, on va faire ça comme ça. Et puis, juste transformer ça en table de craft. Comme ça, on en a une juste right here. J'ai notre scie. On va pouvoir scier le verre. Et puis, se faire ça, en fait, pour... la sortie, enfin pour l'extérieur, voilà, comme ça, ça va très bien. Par contre, il faut que je garde ça, donc on va virer de la dirt, parce que la dirt, c'est à bout, on en viendra tous à bout. Voilà, on va faire ça comme ça, on va voir si ça roule, et puis si ça roule pas, bon, ça devrait, je vois pas pourquoi ça roulerait pas, hein. Hop là, ça fait beaucoup en fait de verre, je pense pas que j'en aurai assez, ouais, quoique, allez. Voilà, merci bien. La connexion fait un peu des siennes, hein, je vous avouerai, c'est un peu lourdingue. Mais bref, c'est comme ça. Hop là. Pourquoi tout d'un coup ça c'est venu? Alors là, c'est une très bonne question, aucune idée. Je sais qu'il y a le truc pour que dès que tu arrives
au bout d'un item, du coup, il te recharge. Je pense que c'était ça. Mais c'était pas forcément le bon, quoi. Essayez, papu. Sinon, pendant que je fais ça, je voulais vous parler d'un petit truc. Il y a une raison particulière pour laquelle j'ai eu un peu de retard sur cette série-là. C'est que ça prend un temps absolument fou à tourner, parce que je connais pas les modes. En gros, c'est ça. Et puis, donc du coup, j'étais pas extrêmement motivé à prendre du temps pour, en sachant que sur Helicube, il y a un gros projet qui est en train de se faire. Gros projet pour moi, hein, gros projet perso, pas du tout équipe. Et puis du coup, j'avais plus envie d'avancer vraiment assez bien sur. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. On devrait mettre. Ouais, je sais pas. On va essayer. De toute façon, le verre est fait. Donc, au pire, je l'enlève et puis je le. Voilà. Au pire, on fait ça. Donc, un gros projet sur Helicube qui prenait pas mal de temps quand même. Et puis, vu que les choses sont plus vite faites sur Helicube que sur les Mianites, du coup, j'ai continué. Ah, il me saoule. Plus continué dans ce sens de Helicube et puis pas tellement des Mianites. Donc. Voilà pourquoi. Et puis, je remets un peu en question le but de cette série-là. Alors, je viens d'aller chercher quelques seeds. Et puis, le seul truc que j'ai de la peine à comprendre, c'est qu'en fait, c'est mis tout Witchery. Oh, non, pas mal, c'est mis Witchery. Alors, je sais pas tellement si ça va vraiment pousser. Ender Lily Seeds. Ah, bah ça va peut-être pas pousser là-bas dedans. Snowbell Seeds, etc. Alors, je sais pas tellement du tout si ça va pousser, parce que c'est pas forcément des seeds du mode qu'on aimerait. Mais, on va quand même essayer de voir, hein. Vous savez quoi? J'ai jamais remarqué que les portes elles s'ouvrent les deux en même temps. Jamais. Alors voilà. Voilà à quoi ça ressemble, les amis, en fait. Rien à voir, le mec oublie un peu près où sont les autres. Voilà à quoi ça ressemble. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis surpris en bien, je dois dire. Dans les parties précédentes que j'enregistrais juste avant, j'étais pas forcément convaincu de où est-ce que ça allait arriver, parce que j'ai pas fait de planification, rien. Mais je dois dire que, alors à part que je suis trop près du bord là, qu'il va falloir un peu gérer un peu sur le côté de la montagne et puis gérer aussi un peu derrière, là c'est tout droit, c'est pas beau. Mais voilà, je trouve que le verre a plutôt pas mal, etc. Donc je suis assez content du résultat. Maintenant, qu'est-ce qui pousse? Ça c'est vraiment la question. Ok, ça pas. Ok, ça oui. Donc c'est des barley. Ok, ça c'est fait. Ça, ce que ça pousse? Du coton, voilà. Très bien. Ça, on avait essayé, ça poussait pas. White, what? Deviating Lily, je sais pas du tout ce que c'est au monde. Mandrake, t'es parti où? Ben alors? Ok, d'accord. Comme tu veux. Du Snowbell Seeds, on n'en a pas, on va mettre ici aussi. Du coup, peut-être que je mette un peu des pancartes là, parce que sinon je vais jamais me. Ah, mais en fait, on a qu'à pointer dessus, puis c'est bon, ça nous dit ce que c'est. Garlic, on n'en a qu'un seul, donc on va le mettre là. Il nous manque Ender Lily, on s'en balance. Ça, je crois que. Attendez, c'est du Belladonna. Belladonna. Belladonna, on n'en a pas. Nous avons encore. Bon, bah, du Seeds standard, hein, ça, on n'en a pas mis. Mandrake, on en a mis. Il y avait ça que ça passait pas. Barley, on en a mis. Et puis je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Hein. Du coton, Snowbell, etc. Waouh! Franchement, pas cool. Pas cool du tout. Franchement, je pensais que j'allais en avoir plus. Mais faut dire un peu que je les jette aussi à fur et à mesure parce que je pensais pas du tout faire un truc avec ce mode-là. Est-ce que j'en ai quelques trucs ici? Non. J'ai vraiment rien d'autre qui pourrait faire mine de pousser. Alors attendez. Regardez, un peu à la va-vite quand même. Hein. Des mushrooms, tiens, on peut peut-être essayer ça. Ça va peut-être pousser. Du coup, tout ça, on va remettre. Mince, j'ai vidé les torches, c'était pas voulu. C'est pas grave. Mandrake, bah ça c'est ce qu'on vient justement de prendre. Enfin, de remettre plutôt. Il y a plein de. Bon, ça c'est des. Ouais. Bon, les mushrooms, ça va pas pousser. C'est plutôt un truc décoratif. Ah, c'est quoi ça? Use. He talks to the animal. Ok. Flicker focus, fishing.
Mariculture, fish sorter. Plutôt les trucs avec à voir avec chiottes. Avec la pêche donc. Truc que je me suis pas du tout intéressé hein. Je veux dire que même dans Minecraft en général ça m'intéresse pas beaucoup donc vous imaginez bien que ah wild carrot. Ça peut être pas mal ça. White mushroom, wolfbane seeds. En fait, c'est toutes les seeds, je crois qu'on les a pris donc il va falloir qu'on regarde un peu ailleurs aussi si on peut si on peut en choper. Mais du coup, on a notre glider. Je sais jamais comment l'activer. J'oublie à chaque fois les contrôles. Oh là là là. Circonflexe spin. Glider, c'est fonction. Donc ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Non plus. Ah voilà. On va utiliser ça. Donc, on va voir si on peut faire pousser ce genre de truc-là. Je sais plus. Ah oui, wild carrots. Ok, on peut faire pousser, c'est parfait. Ça va être beau, n'empêche, voilà, quand tout ça sera plein là de plantes différentes ou de machins différents, ça peut faire assez sympa, j'avoue. Ensuite, on va essayer de voir si on arrive à choper. Je vais faire fonctionner la quarry. On va aller un peu plus loin, puis on va essayer de prendre tout plein de trucs. Vous voyez, la quarry, là, on pourra aussi très bien s'en servir pour... Ah, bah, elle fonctionne encore, en plus. Elle fonctionne encore. On va aller faire un petit tour. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ouais, vous voyez qu'il y a plein de chiotteries, hein. Quand même pas mal de chiotteries. Mais voilà. Bref, on va pas aller là plus longtemps. On va aller un peu à part. Et puis, quand je dis à part, ça va être genre pas très loin du tout. Genre... là. Et c'est très la déforestation. Par contre, il y a des trucs que j'ai déjà. Ah, mais tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller un peu dans un désert ou un truc comme ça, un biome un peu différent? Et puis, comme ça, on pourrait peut-être essayer de trouver autre chose. D'ailleurs, on va se mettre en chauve-souris. Tiens, j'en entends une tout près. Je me dis, tiens, en fait, c'est vrai que c'est peut-être pas si mal. Tiny Bird, je crois que c'est un peu la merde. Forest Raven, je crois que ça va mieux. On garde un peu plus de cœur. Voilà, super. On garde 5, c'est pas mal. Du coup, je sais pas tellement où est-ce qu'il y a un désert. Est-ce que sur la carte, est-ce que si on dézoome, ouais. Oh. Ok, d'accord. C'est pas forcément très concluant, hein. Mais on va quand même avancer un peu pour essayer de voir si on peut trouver quelques petites seeds. Et puis, je reviens à vous direct après. On va aller voir ce village en fait directement. J'y suis déjà allé, je suis presque sûr à 100%. Mais c'est pour voir un peu ce qu'ils ont comme seeds. Et puis, si on peut en choper, notamment ça, peut-être ça m'intéresse. Ah, forcément, j'ai le glider activé, donc c'est un peu de la merde. Et puis le triple saut aussi. Donc le triple saut, je ne sais jamais non plus ce que c'est. Triple saut, c'est L meta. Voilà. Oh, c'est marqué quoi? Voilà. Growth crops. Hopes. Et c'est utile pour faire quoi? Les hope seeds. Ok. Et ça sert quoi? Ça sert à quoi? À plein de trucs. On peut faire des seed soup, on peut faire du trail mix. Ah, donc en fait on a besoin de ça aussi. Donc en fait on a besoin de ça. Donc je vais en prendre quelques-uns. En fait on a le village qui est pas loin, donc ça irait aussi super bien. Je suis en train d'en prendre là. C'est drôle ce village avec de la glace. Pourtant ça pousse encore quoi. C'est vraiment... What? Pourquoi pas? Et là il n'y a pas encore plein de trucs là. Alors je sais pas si on peut essayer de récolter... Bon c'est plutôt des petits arbustes, des petits machins, des petites fleurs, etc. Il n'y a pas de champ genre. À part celui-ci j'entends. Ça a pas l'air. Par contre là ça a l'air d'être un peu le même biome que d'habitude. C'est pas un biome vraiment très 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 différent. Je vais continuer en mode fly, essayer de trouver un désert qui a une atmosphère un peu plus aride. C'est possible qu'on trouve d'autres choses. Donc à tout à l'heure, dès que j'ai trouvé un désert. Et j'ai trouvé un biome assez sympa, je pense, là. Le rouge, je sais pas ce que c'est. Et des croix? Le mec qui découvre... Oh! What? Le mec qui découvre... Ah oui! Je me rappelle, c'est une sorte de Nether dans l'Overworld.
Ben pourquoi pas, hein, je veux dire. Par contre, c'est pas très ce qu'on cherche. Allez, à tout à l'heure, je fais vite une petite ellipse et on se retrouve. Alors, je dois vous avouer que c'est un peu l'échec, j'ai vraiment pas trouvé de désert. J'ai fait un grand tour, je suis allé tout là-bas en haut, après je suis revenu. J'ai passé par là, j'ai essayé de trouver, mais il n'y a pas de désert et je ne sais pas exactement quels terrains sont plus arides que les autres, à part évidemment le désert où c'est assez facile à savoir, disons. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner entre cet épisode et puis le prochain, et puis on va démarrer un peu l'épisode avec de nouvelles graines à planter, et puis en espérant que j'en trouverai, quoi, parce que alors là... Je vole, je prends des graines, mais on les a à chaque fois déjà, en fait, à peu de choses près. À part celle-là, là, les Paddy Rice Grains, je ne suis pas sûr, mais je suis presque sûr que si je mettais le grain dans le truc de mes coffres, j'allais trouver ce machin. Enfin, bref. Écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode-là. J'espère que... Je pense pas que je vais arrêter comme ça la série, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose. Surtout que le LP a repris, et puis du coup, il faut que j'assume plusieurs séries à la fois. Et puis plus il y en a, plus c'est compliqué. Donc on verra très bien, peut-être que les épisodes se feront un peu moins réguliers. Mais j'espère que vous appréciez toujours autant la série. Et puis on se voit à l'épisode suivant. Bye bye tout le monde. Et moi je vous souhaite une bonne soirée, parce que c'est la soirée. Allez, ciao.